Rhubarbe. Salut, tante. Il. Tu pars sans me rencontrer. Non, en fait, je dois passer un appel important, c'est pourquoi. Comment vas-tu ? Je vais bien. J'ai reçu ta lettre. D'accord. Je vais y aller maintenant. Maman Rhubarbe, j'ai servi le déjeuner. Viens le manger. Tu vas. Je vais venir. S'il te plaît, prends le déjeuner. Je vais manger, tu pars. Partir. Tu ne me comprends pas? D'accord. Cher Rhubarbe, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie. Mais personne n'était courageux comme toi. Tu es très courageux. Tu peux faire face à la réalité. Tu peux aimer quelqu'un. Et je peux aussi exprimer ton amour. Tu peux ressentir la douleur de ton amant. Et je peux aller le rencontrer la nuit. Importe ce que les autres penseront. Et dis, toi, tu es vraiment très courageux, Rhubarbe. Je ne suis pas courageuse du tout. Je t'aime mais je ne peux pas l'exprimer. Je t'ai dit beaucoup de mensonges. Toutes les lettres ont été écrites par moi. Mais je n'ai pas eu le courage d'affronter la réalité. Parce que je m'étais engagée envers Zoya. Alors, quand tu as demandé, donc je l'ai nié directement. Mais je pense que j'ai fait une erreur en épousant Zoya. Je t'aime. Mais je ne peux pas quitter Zoya. Est-ce que tu comprends-moi? S'il te plaît, pardonne-moi.